Alors bonjour à tous, c'est Mat29, comment allez-vous? Moi ça va bien. Donc comme j'ai promis aujourd'hui, que je vais faire, je vais vous montrer comment on fait les courses pour vendre en fait. Pour vendre tout simplement, non même pas pour vendre, pour vider en fait, quand vous videz votre moissonneuse, pour ne pas aller à la vider au silo. Donc vous, donc ça j'ai Rensis, vous commencez la course. Donc vous faites juste, vous allez juste en tous les, en dessous des points de vidage pour vider dans les silos là. Hop. Donc après, oh, c'est pas possible. Bon. Donc pareil, et là on passe juste donc à côté de ces silos là. Voilà, on vide dedans. Comme ça il videra si jamais j'ai de la betterave ou pas sur ce champ. On recharge en essence, comme toujours. Aïe aïe aïe. Okay. Et après, on revient au point de départ. Moi c'est comme ça perso que je fais en fait, je passe en dessous de tous les, je passe au-dessus en fait des points de vidage de tous les silos. Comme ça je suis sûr que sur n'importe quel champ, bah, par exemple je fais de la betterave ou du blé, ben je peux tout vendre, je peux tout vider dans les silos. Parce que imaginez-vous faire une course pour chaque culture, c'est pas que ça prend du temps, c'est que après bon ça fait trop de courses et puis on sait plus laquelle utiliser ni rien. Alors que là ben voilà quoi, il y a une course point barre quoi, donc c'est comme ça que je fais et c'est largement plus rapide.
Et avant, je m'amusais à faire ça, mais là, ça prend trop de temps. Donc là, voilà. Donc on fait arrêter. Et on fait donc sauvegarder. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets comme ça. Moi, je mets comme ça. Ben, silo, champ. Par exemple, là, on est 48, je crois. Donc voilà. Paf. Et vous en faites entrer. Comme ça. Fait. Donc là, moi, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise plutôt celle-là. C'est-à-dire que je mets ce mode-là, et le tracteur, en fait, il ira vider la moissonneuse ben, directement. Ben, il ira vider la moissonneuse, puis après, dès qu'il sera plein, il ira se vider. Après, si vous avez des transbordeurs, vous pouvez utiliser cette course avec le transbordeur, donc ça veut dire que le transbordeur ira vider la moissonneuse et après il ira donc se vider dans les remorques. Ça c'est pour que la moissonneuse aille se vider dans les remorques directement. Après il y a plein d'autres modes que je pourrais vous montrer. Donc ça c'est ça, ce mode là c'est soit pour vider les silos que j'utilise, mais on peut aussi l'utiliser quand vous utilisez un transporteur ou la moissonneuse qui va se vider aux remorques. Donc ça, ben, dès que arrive un certain moment, donc au pourcentage des remorques, et ben elle part toute seule. Voilà. C'est comme pour les silos. Après ça, donc ça c'est le travail des champs, donc ça c'est pour tout ce qui est récolte. Des chômages, pressage, pour vendre, pour aller chercher, pour prendre les ballots, tout ça. Celui-là, c'est pour fertiliser, semer, parce qu'on a l'option. On a l'option des. Comment on appelle ça? Des traceurs. Et puis voilà, donc ça c'est pour transporter du fumier. Je vois pas comment, je vois pas à quoi ça pourrait servir à part pour transporter du fumier, par exemple de la du des vaches au champ ou un truc comme ça, mais bon. Ou du fumier ou du lisier, je crois, mais bon. Et après on a pouvoir vider tout simplement par exemple les silos du BGA avec ce mode, là. Donc ça permet en fait tout simplement de charger par exemple des silos du BGA et d'aller les vendre avec un godet. Donc ici ben, par exemple il y a plein d'options, donc il faut en fait il faut mettre plusieurs on appelle ça plusieurs waypoints, par exemple un waypoint, le premier waypoint on descend, donc celui-là vous descendez un maximum votre pelle. Ben, je vous montrerai comment faire, c'est assez simple à faire dans une autre partie. Là donc du coup je vais vous montrer, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve pour la course pour vider les silos. Je sais pas si j'en ai dans mes silos d'ailleurs. Ah j'ai rien. Oh, sinon je ferai ça quand j'aurai quelque chose, parce que là pour l'instant j'ai rien dans mes silos. Donc on verra ça plus tard. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bah non, je vais pas vous dire à la prochaine. Alors sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si je peux passer le déchemeur à côté. Donc je vais aller avec l'autre.
Je vais aller avec l'autre. Avec mon classe Xerion 3000 ou 5000, je crois. Donc on va passer le déchemin sur le champ d'à côté. Donc par contre, je sais plus qu'est-ce que je crois que j'ai un tout petit. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors je le vends et puis. Donc je vous retrouve après ça. On va faire une course pour le déchemin. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Alors du coup, j'ai été prendre un déchemeur. Donc on va faire par rapport à la carte. Donc là on est plutôt au départ. Donc déjà il fait 12 mètres normalement. Voilà. Donc le sud c'est un peu plus bas, donc ça serait plutôt. On est en est. Nord-est. Nord-sud. Est-ouest. Donc ouest, plutôt nord-ouest. Donc départ est. Donc ici après vous prenez par exemple donc là on descend sur le 49, donc je prends ça et je viens donc ici et je génère ma petite course. Et donc logiquement non, je suis mal parti là. Bon bah c'est pas ça. Donc il faut rechercher. Alors attendez. Le sud c'est en bas, donc là normalement c'est nord. Nord-ouest. Nord, donc le nord. Le nord c'est vers là. Le sud là. Est, ouest, ben, nord-est alors. Donc en sud. Non, en est. En ouest. Voilà. Ah putain la vache, il faut que je me repère bien moi. Donc du coup, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc on se met là. Donc après, par exemple, là, vous mettez, je sais pas, moi je mets prépa, des chômages ou culti. Champ 49, par exemple. Tac. Vous en faites pas, il va se redéplier après. Donc là, bah on va le laisser travailler. Normalement. Nickel. C'est pas grave ça. Donc ça c'est fait. Sinon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sur cette partie, pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Sachant que mes silos sont vides.
Bon. Ah, mais les gens, ah non, t'es où? Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la course. On se retrouve après, comme ça on verra si ça marche ou pas. Au niveau des ventes des bottes. Donc, je vais essayer de la refaire. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Allez, après une petite ellipse. Donc voilà, donc je viens de refaire cette course. Voilà. Donc on va voir si il a l'idée ce qu'il a sur la remorque. J'ai refait la course et j'ai tout ramassé les dernières balles. Donc, du coup, on verra ce que ça va donner. On n'est pas pour nous. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quand on recule, être droit pour arriver là où on veut. Ben, par exemple, là où on veut vider les bottes, quoi. Comme ça, on peut faire une marche arrière, mais droite, quoi. On va voir si ce que j'ai fait ça marche ou pas. Logiquement, il doit vider les bottes. Je dis bien logiquement. Voilà. C'est pas beau ça? Ah, il veut pas. Parce que logiquement, il aurait dû vider. Alors, je sais pas pourquoi, il faudrait que je regarde comment faire. Hein. Peut-être qu'il faut ajouter un point d'attente. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'arrêter là. Merde. Pas ça que je voulais faire. Donc là, il a terminé. Pas tout à fait. Je pense que là, j'ai mal fait le champ. On remarque, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Donc moi, le prochain truc, ça sera peut-être le mode du semage. Bon, d'accord. Putain, c'est pas possible. Donc il y aura le semage et peut-être la fertilisation, donc comme ça. Vous verrez qu'est-ce qu'il faut faire pour la course. Donc, le prochain épisode, ça va être du retrack, je pense. Et puis comme ça, ben,
pense que celui-ci faudrait que je le refasse. Parce qu'il est un peu, il est un peu mal foutu comme champ, je pense. Là 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 là. Allez. Sur ce, prochain épisode du Euro Truck. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces verts. Et puis ciao tout le monde.